Impressionnant, n'est-ce pas? Écoutez, certaines personnes risquent d'être choquées aujourd'hui en regardant cette vidéo. Alors quand je dis choqué, je parle pas de sang ou quoi que ce soit, il n'y a pas de tout ça. Quand je dis choqué, je vais essayer de vous mettre en situation. Un soir, vous êtes en soirée, tout va bien, vous dansez avec Beyoncé, impeccable, nickel. Vous gérez la soirée, le lendemain, vous vous réveillez à côté de Shaquille O'Neal. Mais que s'est-il passé? Eh bien écoutez, c'est aujourd'hui que je vais vous apporter l'explication. Il est tout à fait possible que vous en ayez déjà vu. Aujourd'hui, on va voir les meilleures transformations make-up des Asiatiques. Non, parce qu'ils sont forts, ils sont très forts. Je vous dis, c'est pire qu'un filtre Snap, cette connerie. C'est un truc de ouf. N'importe qui pourrait se faire avoir. Faites très attention. Un soir, pas fait comme un autre, tu t'endors à côté de Blanche-Neige. Le lendemain, tu te réveilles à côté de la sorcière, mon gars. Bon, c'est-y part, je vous propose de lancer la vidéo. Surtout, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça encourage. Prenez une grande inspiration. Expirez profondément, fermez les yeux, faites un vœu pour l'année 2019, mettez un pouce bleu, il se réalisera. Vous ne croyez pas? Vous devrez. Les meilleurs make-up asiatiques, les transformations, c'est un truc de ouf. Alors j'en ai déjà vu pas mal, je sais pas si là sur cette vidéo on va tomber sur des make-up que j'ai déjà vu. Mais en tout cas, vous avez vu de quoi on est parti. Voilà, et regardez à ce qu'on arrive quoi. C'est un truc de ouf. Il s'étire la peau et tout. Regardez ça, ça met des trucs pour se blanchir la peau et tout. What the fuck? What the fuck, mon gars? Regarde ça, c'est foutu du scotch sur les joues et tout. C'est un truc de ouf. Ah ouais, non mais ouais, direct hein. J'ai l'impression, je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'est fake ou quoi. J'ai l'impression que c'est fake, qu'il y a des coupures ou... Tu vois, je sais pas trop. Ah ouais. Waouh, c'est chaud quand même. Ça agrandit tellement le regard, les espèces de... Par contre, elle a des dents bizarres. Attendez. Attends. Moi, je suis désolé, je dis stop. Regardez bien sa bouche. Regardez. Ils sont passés où ces dents? Tu vas pas me dire qu'elle a foutu du scotch dessus et qu'elle les a rentrés aussi, non? Ils sont passés où ces dents là? Regardez. Regarde. Y'a un problème quelque part, non? Oh là là, mon pote, le pot de peinture! Mais laisse tomber! Tu prends un pinceau, tu tartines un peu sur le front, tu repeins ton appart avec. Easy, mon gars. C'est un truc de ouf. Hein. En fait, là, elle fait quoi? Elle se maquille ou elle se démaquille? Ah non, elle se maquille. Hein. Alors je comprends pas pourquoi les Asiates ils veulent avoir genre la peau blanche quoi. Mais c'est... What? Attends. Non mais regarde ça mon pote, elle a foutu du scotch sur ses joues. Ah ouais. D'accord, elle se démaquille aussi. What? C'est quoi ça? Attends. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, c'est un faux nez. Bah, bien fait en tout cas le make-up. Ah ouais. C'est chaud quand même. C'est pas du tout les mêmes personnes, tu vois. Tu pourrais tellement te tromper, mon gars. C'est pire qu'un filtre Snap, le bordel. Regarde ça. What? Non, mais... Attends, c'est quoi ça? Mon gars, mais c'est plus un make-up, ça, c'est... Non? C'est une arnaque. C'est quoi ce bordel? L'autre c'est Fantomas quoi. Elle enlève carrément, elle mue de la peau. Ah ouais, non mais regarde. En fait ils se mettent de l'espèce de pâte. Je sais pas ce qu'ils font avec leur nez les Asiates. Je sais pas, ils complexent avec leur nez. J'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont. Ah ouais, non mais regarde ça. Mais c'est... Mais c'est plus du tout, c'est plus du tout la même. Attends, mais qu'est-ce qu'il boit? Le truc, je sais pas, il boit des potions. Des potions de make-up, quoi. Are you listening? Oh. Ah ouais, mais. Tu pourrais te faire avoir, mon gars! Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais ça, je suis désolé, mais. C'est de l'arnaque. On part sur une arnaque. On part. Non! On part sur une escroquerie. C'est une escroquerie, mon gars. C'est pas le bon objet qu'ils vendent, quoi, tu vois? C'est comme si tu commandais quelque chose et que tu recevais autre chose. Tu vois, c'est... Non. Non.
C'est chaud, quoi. N'empêche, les make-up sont bien faits, quoi. Tu sais, regarde. J'adore. J'adore. Quand elle fait ça, à la fin, regarde. Quand elle fait ça, ça, ça veut dire je vous ai bien baisé, hein. Je vous ai eu, hein. Ah non, mais regarde ça. Mon vieux, elle avale des trucs pour se blanchir la peau. Je sais pas ce qu'elle fout, mais c'est un truc de malade. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de vidéo? Ça a pas mal tourné, je sais, sur Facebook. Moi, j'en ai vu pas mal. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, Blanche-Neige, là? Ah ouais, mais t'as vu comment que ça change tout de suite? Un petit make-up, machin, nana, là, c'est un truc de fou, quand même. Hein. C'est un truc de malade. Regardez ça, les tonnes de peinture qui se foutent sur la gueule, mon gars. Mais c'est pas possible. C'est... Ah, attends. Elle a mis des lentilles. Regardez ses yeux. Crac. Elle a mis des lentilles, on est d'accord. Voilà. Ouais, tu vois, en fait, ils se mettent... C'est du scotch, hein, franchement, c'est du scotch. Ils se foutent des bouts de scotch, là, pour s'étirer la peau, tu vois. Histoire de se faire des... Je sais pas, ça... Ça les lift, quoi, tu vois. Ah bah alors elle, mon vieux, c'est la totale, elle se drogue et tout, elle prend de la poudre. On sait pas ce qu'elle prend, tu vois, mais elle le prend en tout cas. Ouais, ils mettent tous des lentilles, les Chinois, tu vois. Ils sont aussi complexés par leur nez parce qu'ils, je sais pas, ils foutent de la pâte dessus, là, ou... Attends, c'est abusé. À la fin, mon gars, on dirait un personnage de dessin animé, tu vois. C'est un truc qui n'existe pas, quoi. C'est chaud quand même, c'est chaud, non? Je vous l'ai dit, vous allez être choqués après cette vidéo, franchement. On pourrait tous se faire avoir. On pourrait tous se faire avoir, honnêtement, là-dessus. Par contre, c'est quoi les trucs qui ingurgitent, là, genre ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez que c'est pas des compléments alimentaires ou, je sais pas, des compléments de maquillage, compléments make-up? Peut-être que tu l'avales, je sais pas, ça leur blanchit la peau ou... Ça éclaircit les yeux. D'ailleurs, j'ai vu un truc il y a pas longtemps là. Je sais plus où j'ai vu ça. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui a partagé ça. Ça a apparu dans mon fil d'actualité. Il y a un produit pour éclaircir les yeux. Mais c'est dangereux, mon gars. C'est dangereux. Alors, ça fait partie du truc make-up ou quoi? Par exemple, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui complexent peut-être par rapport à la couleur de leurs yeux. J'en sais rien. On sait pas, tu sais, il y a tellement de monde qui complexe sur certains trucs ou quoi. Alors qu'au final, il n'y a pas lieu. What? C'est un homme? On aurait dit Jackie Chan au début. Ah non. Ouais, j'ai vu, il y a un produit qui éclaircit les yeux carrément. Genre, tu te mets des gouttes matin, midi et soir pendant quelques jours et tout, et ça t'éclaircit l'iris des yeux. C'est chaud, mon gars. On dirait un peu un travelo celui-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Voilà. Bref, c'est chaud cette histoire d'éclaircissage des yeux ou quoi. Tu peux pas faire ça, t'arrives. C'est vrai que moi, avant, je m'en souviens. Ouais, il y a longtemps, franchement. Il y a un moment, je mettais des lentilles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, des lentilles genre pour changer la couleur de mes yeux. Mais bon, c'était il y a un moment, tu vois. C'était la mode à l'époque et tout. Je m'en souviens, j'allais au lycée, machin. Je foutais des lentilles sur mes yeux. J'en avais des verts, des bleus, des rouges, des... J'avais des yeux de vipère et tout. Et c'est pareil, bon, bah ces lentilles-là... C'était même pas des lentilles de vue que je mettais. Hein. C'est des lentilles, c'est trempé dans un produit et tout, machin. Tu t'ouvres l'œil, tac, tu fous ça et puis ça te fait des yeux. Des yeux chelous, quoi. C'est vrai qu'avant, j'en mettais un peu. Bon, j'en ai pas mis pendant spécialement trop longtemps, mais. Là, elle est en train de dire non, non, regardez, je ne ressemble pas du tout à ça. Je vais vous le prouver. Je vais tout de suite me démaquiller. Ah ouais, non, là par contre, c'est chaud, là. Regardez, elle est en train de s'enlever de la peau carrément comme ça, mais. C'est hard, quoi. Franchement, mettre autant... Ah ouais, mon gars. Ah ouais, elle s'est coupée le nez en deux au calme. Ouais, voyez, ils ont des lentilles et tout. Franchement, mettre autant de make-up et tout, autant de trucs comme ça sur ta peau, je pense qu'au bout d'un moment, ça t'abîme la peau, tout simplement. C'est pas bon, quoi.
Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec leur nez, mon vieux, les Asiates? Qu'est-ce qu'ils ont? Je comprends pas, je sais pas, ils doivent se mouler un nez avec une pâte spéciale ou quoi, mais... Wow. Ouais, il y a une coupure, on aurait dit que c'était un fake, mon gars, là. C'était chaud. Bon, et bien écoutez, mes très chers abonnés, c'est ainsi que je vous quitte. Je vous laisse avec toutes ces images que vous voyez là. Des transformations make-up asian. Franchement, on pourra pas dire, mais ils sont super balèzes dans le make-up. C'est un truc de ouf. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Venez me rejoindre sur les réseaux. Oubliez pas que je suis en live tous les mercredis après-midi à partir de 14h. Nous, on se dit à bientôt. Et ciao tout le monde, bye bye.